bonjour, bonjour et bienvenue sur cette 141e VOD Moe avec Virus sur Hyper Dimension Neptunia Rebirth 2 Sisters Generation. La dernière fois nous avions vu deux petits interludes, hein, deux petits events qu'on n'avait pas encore vu, qu'on a réussi à déclencher. Et eh bien nous allons voir maintenant ces events à la station. Aha! Puisque nous avons Falcomu, alors Falcomu on l'a déjà vu. On va faire cette interlude avec Noir. Ah, c'était un rêve étrange. Est-ce que c'était Brave? Je ferais mieux de pas faire ce genre de rêve encore une fois. Comme c'est étrange. Je pensais que j'étais juste en train de m'occuper de mes affaires au Basilicum il y a un moment à peine. Tu dois être l'oracle de la station. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Qui êtes-vous? Je fais partie des quatre félons, des quatre compagnons de Magicon, Brave the Heart, Osama. Je dois discuter de quelque chose de grande importance. Si les informations de Yuni sont correctes, tu t'es repenti de tes mauvaises actions. Je vais t'écouter avec une gesture diplomatique. Je vois. J'aimerais discuter de mon mariage avec de prendre la déesse aspirante en tant que femme. De quoi, Yuni? Bien sûr. Ça semble incroyablement surréaliste, mais cette proposition doit porter ses quelques valeurs. J'apprécie votre compréhension. Premièrement, pour graver ça dans la roche, je vais avoir besoin d'un certain montant d'argent qui agira en tant que dowry, c'est un peu comme une dot. Hein? Une dot? Mais pourquoi ça? Pense-y, toi, ex-soldat, essaye de prendre une des femmes les plus importantes de notre nation pour femme. Pour que tu puisses atteindre une si haute stature, ne serait-ce pas approprié de donner quelque chose de valeur égale à la famille de la mariée? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça marche? Naturellement. Et deuxièmement, même si tu t'es repenti, tu as déjà fait partie de Azik. Ce passé va ternir le nom de Yuni. Pour dissiper tous les malentendus des citoyens, j'aimerais que tu fasses 5 années de service social.
5 ans, c'est plutôt long. Aucune déesse ne peut se marier à une maison externe à la nation, donc tu vas bien sûr prendre son nom de famille et plutôt que vice versa. De plus, son existence est techniquement un asset de la nation, donc tout ce que tu possèdes tombera en son nom. Je n'ai aucun intérêt dans ces assets, mais est-ce que je n'ai rien à dire à propos de leur usage? Si tu te maries à elle, tu te maries à la station. Tu vas travailler pour la nation. Mais en tant que famille, tu n'auras pas de salaire. Cependant, tu auras toujours besoin d'argent pour couvrir tes dépenses de vie courantes. Donc tu devras trouver un second travail. Mais est-ce que c'est pas un petit peu compliqué, non? On dirait que tu as pas mal de vitalité. Merci à ta folie destructrice. Il y a beaucoup de travail à faire autour. Et une fois que vous deux serez mariés, je te donnerai le titre de ministère du travail. Tu seras testeur de bombes, bouclier, poison. Tu n'auras aucun subordonné dans ce nouveau département, mais je suis certain que tes talents et que ta vigueur devraient suffire. Attends une seconde là, cette position a l'air de mettre pas mal dans difficulté. Je n'avais aucune idée que ça allait me prendre autant de sacrifices de demander la main d'une déesse. Je dois retreat. Disparition ninja. Attends une seconde, je n'ai pas encore eu la chance de te donner les détails sur le travail actuel que tu devras faire. Hein? C'était juste un rêve, je vois. Quel dommage. Il se serait trouvé être très utile pour l'avancement de mes propres ambitions. Mais ultimement... Yuni, tu attires le mauvais type d'homme. Tu attires vraiment les loubards. Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu racontes encore? Ne fais pas attention. Elle fait un rêve, elle fait tiens, ben lui il veut se marier avec Yuni, ok. Elle va voir Yuni et puis elle lui dit dis donc, t'attires les loupards. C'était un rêve. What the fuck?
Bon voilà, allez, tiens, bah, je vais aller voir ce que Stella nous a rapporté, parce que oui, pendant que nous faisons du farm, nous faisons également du farm du côté... Oh bah très bien, j'ai trois fois le même item, fantastique. Nous faisons également du farm du côté de Stella, et c'est toujours cool. Allez, level 20, c'est parti. On les fait par palier de 5, hein, tant qu'à faire. Voilà, et donc second petit event, la station. Allons voir ça. Donc Falcomu, on l'a déjà vu hein, en VOD. Cependant, celui-ci, nous ne l'avons pas encore vu. Et donc ça va être l'objet encore de cette VOD. Mais Nepetune est là. Mais c'est pas comme si ça me rendait heureuse. Hey, Noël, je vais m'acheter un comment un swimsuit, un maillot de bain. T'as une idée du style que je devrais acheter? Hey, c'est une étrange question provenant de toi. Peut-être que tu devrais prendre un maillot de bain scolaire blanc pour enfants. Très bien, recommandation reçue. Je vais aller acheter exactement ce que t'as dit. Eh, quoi? Attends, Neptune, j'étais juste en train de déconner. Hein? Ah bon? Mais c'est tellement cruel, Noir. J'étais encore plus sérieuse que d'habitude. Hein, désolé, je ne pensais pas que tu allais vraiment écouter mon conseil. Tiens, prends un bonbon. C'est ma façon à moi de m'excuser. Ouais, j'adore les bonbons. Ok, ceci étant réglé, je voulais te demander quelle sorte de maillot de bain est-ce que tu allais acheter cette année? J'ai acheté un maillot de bain il y a à peu près 3 ans, juste avant que nous soyons capturés. Donc je suppose que, vu que je ne l'ai utilisé qu'une seule fois, je vais le prendre maintenant. Et comment va la taille? Tu sais, ça fait 3 ans, donc peut-être que... Enfin, tu vois. Ah, maintenant tu me fais ma... tu maintenant ça m'inquiète un peu. Très bien. Attends une minute. Je vais faire ça rapidement. Oui. On profite des artworks. Classe. Je suis de retour. C'est, ça me, je me sens un petit peu serré, mais comment, de quoi ça a l'air? Quoi? Mais pourquoi est-ce que tu me fixes comme ça? Ah, oh, je vois, tu es époustouflé de voir à quel point ce maillot de bain d'il y a 3 ans me va bien. Très bien. Comment tu trouves mes formes généreuses et ma poitrine parfaite? T'es jalouse, hein?
Hey, je peux pas me retenir, Noir, t'es vraiment on fire aujourd'hui avec tes blagues. Quoi? Qu'est-ce qui est si amusant? C'est à l'envers, pas à l'envers dans le sens à l'envers, voilà, le devant derrière. Non, non, à l'envers dans le sens où l'intérieur est à l'extérieur. Fashion art. Quoi? Tu veux dire mon maillot de bain Ah, mais t'aurais pu me le dire plus tôt. Bon, bah, je vais me changer. C'était tellement amusant, hein. Ça fait longtemps que j'avais pas vu, que j'avais pas ri comme ça. Ça fait longtemps que je l'avais pas porté, ok? C'est pas ma faute si je l'ai mal mis. N'importe qui aurait pu faire cette erreur. Et il était à l'envers et t'étais genre, est-ce que comment est mon corps? Je suis tellement parfaite. Bon, ben ceci est réglé pour maintenant. Maintenant, lorsqu'on portera son maillot de bain à l'envers. Ça sera référé en tant que le style noir, le noir style. Arrête d'utiliser mon nom de façon bizarre. Ah bah ouais, je sais, je vais le dire à Ver et à Blink. Non, non, fais pas ça, s'il te plaît. Non, mais je te fais marcher, bien sûr. C'est toi qui as commencé avec cette histoire de maillot de bain blanc, de maillot de bain d'écolier blanc. Donc maintenant, on peut appeler ça le renvoi d'ascenseur de blague, ok? Ton secret est en sécurité avec moi. Ne t'en fais pas. Eh bien, la façon dont il a dit ne ressemblait pas du tout à une blague. Ne me fais pas regretter d'avoir confiance en toi. Bah oui, mais c'est toi qui m'as embêté en premier. Je dirais juste que t'as eu le dessert. Ah, très bien. Et les blagues de ce style sont mieux à utiliser à des moments spéciaux. J'ai retenu la leçon. Ah, c'est le téléphone de Nepegear. Enfin, c'est Nepegear qui m'appelle. Hey, comment ça va? Je suis chez Noir. Hey, écoute ça, quelque chose de super, quelque chose de rigolo s'est passé. Noir était en train de me montrer son maillot de bain et alors. Hey, Neptune! Elle était comme ouais, t'as vu, tu peux pas dénier que mon corps est fantastique. Est-ce que c'est pas hilarant? Eh, hey, tu viens juste de dire que tu ne le dirais à personne, arrête! Neptune, sérieux.
Ça va bien, ça va pas bien se finir. Et qui va bien pouvoir répandre ces rumeurs? Bien sûr que j'ai des amis. J'en ai genre trop. Vraiment. ben voilà qui conclut cette VOD Moe Moe avec Virus sur iPod et Mansion Neptunia. C'était un petit interlude de deux VOD, bien sûr, hein, sur des events voilà, qu'on n'avait pas encore déclenché, qu'on n'avait pas encore vu. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, bah, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite. Ou éventuellement, peut-être même cliquer sur la cloche pour eh bien, suivre la sortie des vidéos sur la chaîne Viril Games. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu de l'amour. Laissez également un commentaire si cela vous a plu, voilà, ou partagez vos sentiments par rapport à cette VOD. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine VOD, très certainement le début du scénario, enfin, oui, le début d'un nouveau scénario, en fait, sur iPod Dimension Neptune Rebirth sous It's Your Generation. Je vous fais plein de gros bisous, à la prochaine, et surtout hashtag... Amour viril, hell yeah!